Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour découvrir un agenda, l'agenda girly de Karine de Fleur de Vie Cadeau. Donc c'est l'agenda qui va de juillet 2024 à fin décembre 2025. On va le découvrir ensemble. Je remercie Karine de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le faire découvrir. Alors il arrive dans un pochon en coton. Ça permet de le protéger, de l'emmener partout. Ça permet aussi de ranger des documents. Alors, on a comme avec son autre agenda, on a une règle que vous pouvez bien sûr retirer. Vous pouvez déplacer, on en a même deux. Ça permet aussi de faire un marque-page. Voici la couverture. Je vous montre le dos. Donc, 2 juillet 2024. À décembre 2025. Alors déjà, on a une vue d'ensemble de l'année, mois par mois. Ensuite, vous avez un emplacement pour deux emplois du temps. Donc vous pouvez par exemple mettre le vôtre, celui de votre enfant ou de votre conjoint, peu importe. Ou bien si vous avez des semaines alternées. On a les vacances scolaires avec les zones, les jours fériés de 2024 et ceux de 2025. Ensuite, vous avez un agenda avec les numéros utiles, donc les médecins, dentistes, ophtalmo, etc. Les petits mémos avec les mots de passe. La liste, la wishlist de lecture, la wishlist des films à voir. Ensuite, vous avez pour ceux à qui ça parle, le calendrier Wicca, la roue de l'année avec les 8 sabbats. Et on commence ici dans notre mois de juillet. Donc on a pour chaque mois une préparation globale du mois, hein, avant d'entamer par semaine. On commence déjà avec donc, une reprise du mois dans son ensemble, avec les cycles lunaires, vous avez les signes astraux. Les objectifs du mois, vous pouvez mettre vos petites notes, les fêtes et les anniversaires. Ici, on retrouve, comme dans son agenda précédent, donc le petit budget donc pour le mois de juillet, donc les revenus, les dépenses, l'épargne. Vous pouvez gérer tout dedans. Donc ensuite, par semaine, on a une double page où on peut gérer le quotidien. Vous avez les petits emojis pour faire un petit peu une review aussi, un état d'âme, un état d'esprit. Ça peut être pour cocher aussi des objectifs. Vous avez les petites listes de courses pour la semaine, les dépenses, les objectifs, affaires, à contacter, les rendez-vous. On retrouve le cycle lunaire, les jours fériés, les fêtes importantes, tout ce qui est important. Les idées de repas. Le tracker des habitudes, donc le sommeil, la marche et l'eau. On retrouve ici la place de la semaine par rapport au mois. Et donc vous avez la même chose pour chaque semaine, donc une double page. Avec des petits dessins. Ensuite ici, donc pour le mois d'août, on change de mois, on retrouve donc la double page avec le budget, les objectifs, les petites notes, les anniversaires. Et pour chaque semaine, pareil. On voit qu'on change de couleur aussi, on a les illustrations qui changent. Là pour septembre, on vient au violet. Et donc ainsi de suite. Alors je vais aller à décembre. Voilà, donc jusqu'au mois de décembre 2024. Ensuite, on va enchaîner donc sur janvier 2025. Donc, pareil, toujours la même. La même présentation, donc une double page par semaine. Donc là, celui-ci, il va aller donc jusqu'à décembre 2025, donc sur 18 mois, hein, de juillet 2024, décembre 2025. Ensuite, à la fin de votre agenda, vous avez une préparation pour les projets, les rendez-vous sur l'année suivante, donc 2026. Ça vous permet déjà d'anticiper un petit peu. Les idées cadeaux donc pour Noël, le budget cadeau 2024-2025, les idées cadeaux d'anniversaire,
avec le budget, etc. Vos voyages, donc là vous pouvez aussi planifier vos voyages avec les budgets, les lieux, les activités, la liste pour la valise, ce qu'il y a à faire avant de partir pour ces 2 années. Et vous avez chaque semaine pioché votre mantra. Donc là vous avez des petits mantras pour ces 18 mois, les petites notes, les petites recettes. Voilà pour cette présentation de l'agenda 2024-2025 de Karine. Le nouveau à commander sur son site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.